Regardez, c'est la main du prophète, le vaisseau de Comstock. Nous devons absolument monter à bord. Bouge pas, je m'en occupe. Soit nous y allons tous les deux, soit j'y vais seule. Dans les deux cas, je dois savoir que c'est fait. Oh, DeWitt, acceptez la prophétie. Arrêtez de vous débattre. Vous êtes la pierre dans la fronde. Admirez toute la beauté du lancer et l'excitation de la descente à mesure que la gravité vous rapproche de l'inévitable. Allez-y. Ce bruit. Là, cachez-vous! Sûrement des éclats? Non, pas des éclats. Ce sont... Regarde bien, Elisabeth. J'ai construit tout ça pour toi. Tu es mon héritière, mon sang. Et qu'est-ce que DeWitt a fait pour toi? Pour lui, tu ne seras jamais rien de plus qu'un moyen pour arriver à ses fins. Jusqu'à la main du prophète. Vous croyez qu'on a la possibilité de racheter tous nos actes? Racheter? Je vois pas trop l'intérêt. Booker, est-ce que vous craignez Dieu? Non. Mais je te crains, toi. À notre rencontre. Des cristaux, prenez-les. La mort. Oh. Ah.
Besoin de ça? C'est parfait! Un autre vaisseau sur la gauche! Des roquettes! Regardez! La Vox Populi! Elle attaque le vaisseau! Qu'est-ce qui arrive? Ça m'aide beaucoup. Voilà pour vous. Génial. Le voilà! Nous devons atterrir et nous battre pour le rejoindre. Ou alors, on peut mettre le cap sur Paris. Vous avez le droit de me laisser là. Ce n'est pas votre problème, Booker. Je ne vais pas t'abandonner. C'est bien vrai? Vous le jurez? Regardez! Des lignes d'aérotram, partout sur le vaisseau! Elles sont couvertes de capsules pour patriotes motorisés. C'est de là qu'ils doivent sortir. On doit se débarrasser des capsules si on veut approcher. Comstock est au sommet du vaisseau. Allons-y. Elisabeth. Regarde, DeWitt. Regarde-le. Il y a quelque chose chez lui que tu n'arrives pas à saisir. Tu comprendras bientôt qui je suis et qui il n'est pas. Je te remercie. Ah!
sortir. Mieux tomber. Elisabeth. Et voilà. J'ai vu les premières étincelles qui prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Seigneur. Mais ce n'est pas moi qui vais mener à bien cette mission. C'est toi qui t'en chargeras, Elisabeth. C'est ta mission. La voie est dégagée, Booker. À la gauche de notre agneau se tient le faux berger, et à sa droite, les vestiges d'une vaste populée d'hérétiques. Lequel d'entre vous ne sacrifierait pas tout de bon cœur pour la voir accomplir son destin? Réjouissez-vous! Réjouissez-vous! La mort est douce!
anneau de lancement. Évacuons ces capsules. J'ai une serrure à crocheter. Laissez-moi voir ça. Et voilà. Elles ne vont pas plus vite. J'en sais rien. Il faut qu'on patiente. Un quart des capsules ont été éjectées. Seulement. Génial! C'est peut-être moi qui vous terrasse, Dewitt, mais vous n'êtes jamais loin de l'autodestruction. Vous causerez peut-être votre propre chute. Bon, laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Non, je viens avec vous. Comstock est un pont au-dessus, dans la cabine du prophète. Rest to watch.
Ça m'aide beaucoup. Tenez, des cristaux. Vas-y. Cet aérotram mène à la cabine du prophète. Vous êtes là pour payer vos dettes, faux bergers. Mais jamais vous ne pourrez trouver la rédemption. Certains péchés ne... Qu'est-ce que c'est? Le siphon? Ouais, je l'ai vu, là. Je t'entendais chanter, là, au-dessus. Et ta voix a mis la machine en marche. Et dans la tombe de ma mère, il y en avait un plus petit. Il me vidait. C'est pour ça que je ne peux pas... Peux pas quoi? Quand j'étais petite, je pouvais non seulement ouvrir des failles, mais aussi en créer de nouvelles, qui menaient partout où je voulais. Mais dans la tour,
Oui, j'arrive tout de suite. Ne bouge pas. Je m'en occupe. Non, Booker. C'est entre lui et moi. Il essaie de te tendre un piège. Je n'ai pas le choix. Approche, mon enfant. Allons, je ne mords pas. Doux Jésus, comme tu as grandi. Dites-moi, qu'est-ce que je suis? Regarde un peu dans quel état tu es. La touchez pas! Élisabeth, tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. Protéger de quoi? La progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les hommes. Mais l'archange a fait une autre révélation. Méfie-toi, prophète. Méfie-toi du faux berger, Booker DeWitt, car il viendra s'interposer avec sa destinée. Pourquoi ? DeWitt, je suis un imbécile. J'ai envoyé des armées contre vous. Je vous ai noyé sous les flammes célestes. J'ai fait tout ça pour vous tenir éloigné, alors que je n'avais qu'à lui dire la vérité. Demande-lui, petite. Demande-lui ce qui est arrivé à ton doigt. Demande à DeWitt. Ne me touchez pas. Demande-lui. Demande au faux berger. Dites-lui. Dites-lui, faux berger. Dites-lui la vérité. C'est votre fille, salopard. Et vous l'avez abandonnée. Ça valait le coup, hein? Vous avez eu ce que vous voulez? Booker. Dites-moi. Voilà. C'est terminé. Non, c'est moi qui ai fait. Vous l'enfermez toute sa vie. Vous lui coupez le doigt et vous mettez ça sur le dos. Booker, arrêtez! Vous l'avez tué. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Hein? Dites-moi, qu'est-ce qu'il voulait dire pour mon doigt? J'en sais rien. Je pensais que c'était de naissance, je sais pas. Votre nez. Vous saignez. Hein? Élisabeth, je te le jure, je ne sais absolument pas de quoi il parlait. Si, vous savez. Il faut juste vous en souvenir. Non. Je vais te le prouver. On va détruire le siphon. La réponse est derrière une de tes portes, il te suffit d'ouvrir. Détruire le siphon? C'est la tour tout entière, Booker. Comment voulez-vous qu'on fasse? Je sais pas, mais j'aurais bien une idée en route. Ça. Une cage. Cage, qu'est-ce que... Bon, et maintenant? Qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire? Une cage. Une cage, quelque chose m'échappe. Allons. Il disait savoir ce qu'il nous fallait. Booker. Il disait savoir ce qui nous attendait. Booker. Tu avais vu venir tout ça, Vieux-Stock? Et ça, tu l'avais vu, le prophète? On te laissera pas placer ta fille sur le trône. On va l'envoyer dans sa tombe. Hey, qu'est-ce que tu fais? On doit chanter pour lui. Chanter pour qui? Élisabeth, arrête! Chut, tout va bien. Je suis là. Tu vas m'aider. J'ai besoin que tu me protèges, tu es d'accord? Tu veux faire ça pour moi, juste une dernière fois. S'il te plaît. Allez, 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 allez.
Booker, il va nous aider. Utilisons-le contre cette flotte. Des roquettes! Ouvre-la! Et voilà! Booker, dis-lui où aller! Booker, là-bas! Détruis ce vaisseau! Il faut que ce truc tienne jusqu'à Monument Island! Il est passé! Il est prêt, Booker. Des munitions. Tenez. Par ici. Non. Songbird, Booker. Je vais me mettre à couvert. Va sur le vaisseau. Il est prêt, Booker. Le Zeppelin, descends-le! Génial! Je vais
Dégage la voie. Voilà. Booker, appelez-le.
finir plus mal. Booker, par ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Vous pouvez utiliser Songbird pour tout détruire. Détruire le siphon. Et c'est ce que tu veux? C'est le seul moyen de connaître la vérité. Pour mon doigt, pour Comstock, pour tout. Détruis-le. Détruis tout. Où il est? Où il est? Ça va. Ce n'est rien. Je suis là. Laisse-toi aller. Très bien. Comme ça. Elisabeth, je suis désolé. Où est-ce qu'on est? Elisabeth? C'est un passage. Mais il y en a d'autres. Par ici! Comment ça, c'est un passage? Où est-ce que tu vas? Venez! Allez, c'est par là! Ce que Comstock a dit sur ton doigt... Est-ce qu'on a une réponse? Est-ce que... C'est par là! Booker! C'est là que nous devons aller. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Elisabeth? Ça veut dire quoi, cet impassage? Je vais vous montrer. Ça sent les ennuis, tout ça. Une ville au fond de l'océan? Mais c'est absurde. Regardez. Des milliers de portes. Elles s'ouvrent toutes en même temps. Mon Dieu, c'est magnifique. Quoi? Les étoiles? Allez, venez, c'est par là. Allez! Tu vas essayer de l'ouvrir? Ça ne marche pas. C'est pas juste. Je pensais qu'une fois ici, je pourrais tout contrôler. Je pensais... Qu'est-ce que c'est? C'est une clé. Et d'où elle sort? Elle a toujours été là, mais... Je ne pouvais pas la voir. Vous voyez? Des portes, pas des étoiles.
Des portes qui mènent où ? Elles mènent partout. Il ne nous reste qu'à choisir. D'où ils sortent tous ces phares ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qui ? Ce sont des millions de millions de mondes. Tous différents et tous semblables. Des constantes et des variables. Comment ? Il y a toujours un phare. Il y a toujours un homme. Et toujours une ville. Comment tu sais tout ça ? Je les vois derrière les portes. Vous, moi, Columbia, Songbird. Mais parfois, quelque chose change. Des constantes et des variables. Oui. Regardez. Mais c'est nous. Pas tout à fait. Le voyage est différent, pas la destination. Tout commence toujours par un phare. Je ne comprends pas. Ce n'est pas très grave. Ça ne changera rien aux événements. Pourquoi ? Parce que c'est écrit. Dans le passé, dans le futur. Il y a tellement de choix possibles. Ils nous mènent tous au même endroit. Au commencement. Personne ne me dit où je dois aller. Booker, c'est trop tard pour ça. Là, c'était il y a une vingtaine d'années, juste après Wounded Knee. J'étais à la recherche de... Allez, mon fils, le temps presse. Que faisiez-vous là ? Êtes-vous prêt à laisser votre passé derrière vous ? Êtes-vous prêt à être purifié ? Êtes-vous prêt à renaître une nouvelle fois ? Prenez ma main. Non. Non, je veux pas. Mais c'est déjà trop tard, n'est-ce pas ? Êtes-vous prêt à renaître ? Je suis prêt. Vous repentez-vous ? Oui. Regrettez-vous votre cruauté ? Oui. Voulez-vous repartir du début, abandonner votre ancienne vie et renaître dans le sang de l'agneau ? Oui. Jésus, purifie cet homme. Père, non. Fais-le renaître. Attendez, stop. Seigneur, arrêtez. Qu'est-ce que vous faites ? Non. Laissez-moi. Stop. Vous ne vous êtes pas laissé. Tu crois qu'une simple baignade suffirait à effacer mon passé ? Sortons vite d'ici. Les portes dont tu parles, ce sont des failles, pas vrai ? Alors ouvre-en une. Ouvre-en une vers Paris, je refuse de rester ici. On doit d'abord trouver Comstock. Comstock est mort ! Non. Il était là. Venez. Pour mes dettes. Ramenez la fille et nous effacerons la dette. C'est l'homme qui m'a embauché pour te retrouver. Vraiment ? Oui. La fille contre la dette. Attends, attends. Non, 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 ça va pas. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y avait pas de bébé. Je m'en souviens. Non, il n'y avait pas de bébé. Et si c'était le cas, jamais j'aurais accepté de le donner à ce type. Booker, c'est le seul moyen de quitter cette pièce. DeWitt, le temps presse. Ramenez la fille et nous effacerons la dette. Allez-y. Non. Vous pouvez attendre tant que vous voulez. Vous finirez par lui donner ce qu'il veut. Mais comment tu sais tout ça ? Je vois toutes les portes. Et tout ce que cachent ces portes. Et derrière l'une d'entre elles, je le vois, lui. Comstock. J'ai pas vraiment le choix. La dette est effacée.
Comstock a purifié tous vos péchés. Ramenez la fille pour effacer vos dettes. Il n'y avait pas de bébé. Le marché, c'était d'aller te chercher à Columbia. Booker, vous signez. Non. Je sais très bien ce dont je me souviens. Nous l'avons chamboulé. Et je doute fort que la suite n'arrange son état. Allez. Qu'est-ce qu'on fait ici? Comstock est mort. On n'a plus qu'à reprendre le cours de nos vies. Pas besoin de... Comme Chen-Lin, vous voulez dire? Comme Madame Comstock? Non. Il est en vie dans des millions de millions de mondes. La mort du prophète ne résout pas le problème. Il ne sera résolu que si nous l'empêchons de ne jamais voir le jour. Hé! Hey. Hé! Hey, ça marche plus, vous entendez? Ça ne marche plus! Rendez-la-moi! Rendez-la! Tu es folle! Non! Tu ne vas pas rester coincé! Viens! C'est déjà bien assez désagréable! Rendez-la-moi, sale enfoiré! Allez! Non! Non, non, non! Rendez-moi ma fille! Désolé, Anna. Anna, je suis désolé. Elle est partie, Booker. Anna. Vous avez partagé cette pièce avec vos regrets pendant 20 ans. Jusqu'à ce qu'un homme vienne vous voir, vous offre une chance de rédemption. Une chance de nous réunir. Je t'avais dit que ça marche. Nous savons déjà que ça marche. Mais lui, le sait-il? Anna. Anna. Je suis désolé, Anna. Tu penses qu'il s'est marqué au fer rouge en signe de pénitence? Pas du... Pourquoi faire? Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait sera fait. Cette marque est un peu son cilice, comme lui est le nôtre. Ramenez la fille. Nous effacerons la dette. Tu vois, il commence à reconstruire son histoire. Nous effacerons. Elle te plaît vraiment, ta théorie. Ramenez la fille, nous effacerons. À en fabriquer de nouveau. Ramenez la fille, nous effacerons. Le cerveau s'adapte. Oh, je sais bien. Booker, debout. Booker, réveillez-vous. C'est là que tout a commencé. Je t'ai vendu. Je t'ai vendu. À votre décharge, vous avez tenté de faire machine arrière. Tout est de la faute de Comstock. Si je revenais en arrière, que je le tuais avant que tout ça n'arrive. Ça y est, tout se met en place. Mais comment savoir à quelle date remonter? Je vois pas d'autre solution. Remonter à sa naissance et étouffer ce salopard dans son berceau. Vraiment, ce que vous voulez. J'ai pas le choix. C'est le seul moyen de réparer ce que je t'ai fait. Booker DeWitt, êtes-vous prêt à renaître une nouvelle fois? Pourquoi on est revenu ici? Ce n'est pas le même endroit, Booker. Bien sûr que si, je me souviens.
Êtes-vous prêt à laisser votre passé derrière vous? À repartir du qui début es-tu? Et à renaître. Vous avez refusé, mais pas dans toutes les réalités. Vous avez accepté. Et vous renaissez sous une autre identité. Comme Stark. Il faut qu'on arrête tout ça. Ne jamais commencer. Pas uniquement dans ce monde, mais dans tous nos mondes. Je l'étouffe au berceau. Purifie cet homme. L'étouffe. Fais-le renaître. Avant qu'il ne choisisse. Avant qu'il ne renaisse. Quel sera votre nom, mon fils? Il est Zachary Comstock. Il est Booker DeWitt. Je suis. Les deux. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be. Still go on, believe me, the world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Bum 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 b